D'après la commission sur le 11 septembre, l'avion qui est apparu à proximité de Washington et qui est allé percuter le Pentagone était le vol American 77, le même avion qui avait disparu des radars aux confins ouest de la Virginie une heure plus tôt. Mais aucune preuve n'a été fournie pour confirmer cela. Comme nous l'avons vu, le numéro de série de l'enregistreur des données de vol qui aurait pu identifier l'appareil n'a jamais été publié. La seule chose que les débunkers peuvent avancer en faveur du vol 77 est un petit morceau de fuselage portant un numéro de série American Airlines. Mais n'importe qui aurait pu placer cette pièce sur la pelouse après le crash. D'autant que des personnes en uniforme non identifiées ont été vues en train de ramasser les débris juste après le crash en violation directe des règles régissant les enquêtes criminelles. Un prestataire qui n'était qu'à 100 mètres du point d'impact a déclaré « C'était des gars en veste noire, du département de la sécurité. Ils étaient là pile au bon moment. Je n'arrive pas à comprendre. D'où venaient-ils? Peut-être étaient-ils au courant de quelque chose? Je ne sais pas. » Les débunkers affirment que les témoignages sont plus que suffisants pour identifier l'avion. Mais il est probable que si quelqu'un avait voulu le faire passer pour un avion d'American Airlines, il l'aurait peint aux couleurs de la compagnie. La plupart des témoins se souviennent d'un grand avion de ligne, mais d'autres ont décrit un avion plus petit comme un avion d'affaires. I was just casually looking out the corner out of the window and in the corner of my eye I saw what looked to be maybe a 20 passenger corporate jet, no markings on the side. From my office I was able to see a white jet, like a Gulfstream type commuter jet, I guess. Omar, you say this was a smaller plane, 10 to 15 passengers maybe? No es muy grande. No es muy grande. Is it not like too big? It's just... ¿Tú sabes los aviones comerciales? It's like it like business aeroplane. Like a business jet. Yeah. It looked like a commuter plane, two engines come down from the south, real low, proceed right on and crash right into the Pentagon. And are you fairly sure that it was what we sometimes describe and recognize as a small commuter plane? Yes, it was. À eux seuls, les récits des témoins ne permettent pas d'établir le type exact de l'appareil. L'avion ayant arraché 5 lampadaires avant d'aller frapper le Pentagone, les débunkers font remarquer que la distance entre les lampadaires ne peut correspondre qu'à un appareil de grande envergure. Ce qu'on peut voir justement, c'est que l'avion en arrivant a tombé 5 pylônes qui étaient sur sa trajectoire. Et ces pylônes étaient espacés de 25 mètres. Troviamo alcuni lampioni abbattuti, 5 lampioni. Tutti insieme fanno una fascia larga 26 metri. Facciamo finta di ipotizzare che non sappiamo che si tratti di un aereo. Sappiamo che c'è qualche cosa largo 26 metri che è passato di lì. Le couloir entre les lampadaires fait 26 mètres de large. L'envergure d'un 757 est de 38 mètres. Mais tout avion d'au moins 26 mètres d'envergure aurait pu faire l'affaire. Pas besoin d'un 757. En fait, lorsqu'un avion de ligne de 100 tonnes percute à 800 km/h une façade en béton armé comme celle du Pentagone, on s'attend à trouver une situation comme celle-ci. Au contraire, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est l'absence de débris importants et identifiables comme ceux que l'on voit d'habitude sur les lieux d'un crash aérien. Bob Pug fut le premier caméraman à arriver sur le site. No one was in control of the area. I have free rein. And there's a lot of debris in the foreground of those videos. Again, very small pieces. I mean, I'm standing on pieces, a dinner plate or smaller in size. All the while, I'm looking for wreckage, and I can't find a piece of anything that I recognize. I can't see the tail, I can't see the wheels, I can't see the engines, there's no chairs, there's no luggage. D'après la version officielle, il n'y avait aucun débris significatif sur la pelouse parce que l'avion s'était presque entièrement encastré à l'intérieur du bâtiment. Quindi, gran parte dei frammenti dell'aereo non sono fuori perché l'aereo è entrato nell'edificio. L'université de Purdue a réalisé une animation graphique détaillée qui illustre la version gouvernementale de l'événement. We had the plans for the Pentagon, all the details, right down to the last reinforcing bar. The speed of the airplane and the direction from which came was given to us by the Transport Safety Institute. D'après la version officielle, l'avion s'est approché au ras du sol, arrachant 5 lampadaires situés au carrefour tout proche. Penchant légèrement sur son aile gauche, il a heurté une remorque garée devant le bâtiment avec la partie inférieure de son aile droite, puis a frappé la façade selon un angle de 42 degrés. L'avion a presque entièrement pénétré dans le bâtiment en diagonale, détruisant tout sur son passage à mesure qu'il était lui-même mis en pièces. Le fuselage aurait même atteint et transpercé le troisième anneau du Pentagone, perçant ce trou de sortie de 3 à 4 mètres de diamètre. Cette version des événements pose cependant plusieurs problèmes. Le premier est l'envergure réelle d'un Boeing 757. Nous nous rappelons tous de la façade du Pentagone après son effondrement. Mais auparavant, juste après l'impact, voilà à quoi ressemblait le bâtiment.
Cette série de photos a été prise par un photographe de la Navy juste après l'impact. On ne dirait pas qu'un Boeing 757 vient de s'encastrer presque entièrement dans le bâtiment, les dégâts ne sont pas assez importants. Un expert en informatique a reconstitué la façade à partir des meilleures images et a produit cette image composite qui est devenue la référence universelle pour quiconque s'intéresse au débat. Ce photomontage montre une ouverture pratiquement continue au niveau du sol d'environ 30 mètres de large. Les dégâts s'étendent au premier étage avec un trou de pénétration suffisant d'environ 5 mètres. Tout l'avion pénètre dans le bâtiment. Effectivement, on peut se demander où est-il passé. Et puis, si on prend des photos qui ont été prises à des instants différents et qui justement, par un assemblage, ont permis de montrer les dégâts qui étaient réellement visibles sur la façade, et là on voit clairement que tout le rez-de-chaussée a été anéanti sur une longueur de 30 mètres. Et puis au milieu, bien sûr, vous avez le trou de la carlingue. That gash in the E-ring was about 90 feet across. The wingspan of the plane was about 124 and change. That punched the hole into the building. Il est vrai que l'envergure d'un 757 est de 38 mètres. Mais les débunkers oublient l'angle de 42 degrés, ce qui projette sur la façade une envergure de presque 50 mètres, proche du double de l'entaille constatée. Comme le montre cette animation, l'aile gauche aurait dû aussi détruire les deux fenêtres à gauche de l'entaille. Mais toute la partie gauche de la brèche ne semble pas avoir été frappée par une aile se déplaçant à 800 km/h. Les encadrements des fenêtres en bois sont toujours en place et leurs vitres semblent avoir été brisées par l'explosion consécutive et non par l'impact. Le revêtement de la façade s'est détaché, mais les briques derrière semblent pratiquement intactes. Selon le même angle de projection, l'aile droite aurait dû percuter la façade jusqu'à cette colonne du premier étage. En fait, il y a une entaille en diagonale au premier étage qui pourrait résulter de l'impact de l'aile. Mais cela place une grande partie de l'aile au-dessus de la dalle du premier étage, ce qui signifie que l'aile ne se serait tout simplement pas encastrée dans la façade. Mais alors, où est-elle passée? Voici le scénario de Popular Mechanics concernant les ailes. The wings did not fully penetrate the facade. In fact, the wings had already been partially sheared off by the time the plane even hit the building. The fuselage mainly made the hole that existed. Conspiracy theorists want to know why it wasn't the width of the full wingspan of the plane, and actually just the simple reason was that the wings came off. Mais où sont-elles passées? Popular Mechanics ne le dit pas. Un problème similaire se pose pour les stabilisateurs horizontaux de 15 mètres d'envergure. Comme ils sont installés à 1 mètre plus haut que les ailes, ils auraient dû frapper la façade approximativement ici et ici. Mais il n'y a aucune trace visible de leur impact sur la façade, ni aucune pièce de stabilisateur reconnaissable sur la pelouse. Même problème pour la dérive verticale, 8 mètres plus haut que le fuselage. Au moment de l'impact, la queue aurait dû heurter les fenêtres du troisième étage. Au lieu de cela, l'animation de l'université de Purdue montre que la queue rentre entièrement dans le bâtiment comme dans du beurre. Pourtant, la façade située au-dessus du trou de pénétration ne présente aucun dommage significatif et les vitres et les fenêtres alentour ne sont même pas brisées. Pour le stabilisateur et la dérive, Popular Mechanics n'offre que cette explication générale. A plane flying 500 miles an hour, hitting a concrete wall that is extremely reinforced. There's not going to be much left of it. You're not going to see it sitting on the lawn of the Pentagon in one or two or three pieces. Mais il y a un problème. Si les ailes et la queue se sont désintégrées contre la façade, comment le fuselage a-t-il pu transpercer entièrement les trois anneaux? Le fuselage est de loin la partie la plus fragile d'un avion, puisqu'il s'agit d'un cylindre vide censé transporter des passagers et leurs bagages. L'expert aéronautique Jacques Roland compare la fragilité du fuselage avec celle des ailes. Jacques Roland, ancien général de l'armée de l'air, est aujourd'hui le meilleur expert en crash aérien auprès des tribunaux. Il n'est pas du tout évident de comprendre qu'effectivement, dès que vous avez un choc à l'avant, l'ensemble s'enfonce à la vitesse de pénétration, en fait. Et le premier point dur se trouve ici. Tant que vous n'arrivez pas là, l'avion, c'est du papier. Question. Comment le fuselage, qui est la partie la plus fragile de l'avion, a-t-il pu pénétrer entièrement dans le bâtiment, tandis qu'une partie des ailes et de la queue, pourtant plus solides, sont restées dehors et ont été réduites en miettes? La disparition pure et simple des moteurs est encore plus mystérieuse. Le 757, qui est censé avoir percuté le Pentagone, était équipé de deux turboréacteurs Rolls-Royce RB211, chacun fait 2 mètres de diamètre et pèse 3 tonnes. Leur partie centrale est faite de matériaux si solides et si résistants qu'elle est considérée comme pratiquement indestructible. It's a rotator at 10,000 revolutions per minute, the blade speed of about 800 miles per hour. To operate at around 1700 degrees,
they're designed not to melt. Quali sono le parti che non vengono distrutte, che non si squagliano per il calore? Pezzi del carrello e il cuore dei due motori, che è molto più compatto della parte esterna dei motori, ovviamente fatto in materiali che devono resistere alla temperatura, 2000-2500 gradi, per cui la parte centrale dei due motori è sicuramente sopravvissuta all'impatto. Ma où sont-ils? Dans son animation, l'université de Purdue a choisi d'ignorer le problème. Comme on peut le voir, les réacteurs disparaissent juste avant l'impact. Le débunker Paolo Attivissimo a émis ce qu'il appelle une suggestion prudente. Questo motore, proprio dal SRB211, questo è un oggetto trovato davanti al Pentagono. Quando dicevo prima, probabilmente i motori non sono completamente entrati, questo oggetto è di forma compatibile. Faccio il prudente, dico semplicemente che è di forma compatibile. Mais ce rotor peut provenir de n'importe quel moteur. Il existe une autre photo d'un disque similaire, ou du même, mais sous un angle différent. Et puis, il y a cette partie de moteur retrouvée à l'intérieur du bâtiment. Mais nous ne cherchons pas de petits débris. Nous cherchons deux pièces de plus de 3 tonnes en acier et en titane, et qui après l'accident devraient ressembler à ceci, ceci, ou encore ceci. De fait, si le Pentagone avait été percuté par un Boeing 757, les deux réacteurs auraient percuté la façade à cet endroit, sous chaque aile. Ils auraient pénétré dans le bâtiment selon une trajectoire parallèle au fuselage, creusant un sillon bien plus dévastateur que le reste de l'avion. È un proiettile simile al motore? Sì, sicuramente sì. Può essere tranquillamente un proiettile. Lanciato quello a 800 km all'ora, la struttura viaggia. E non si ferma al minimo ostacolo. Pourtant, on ne retrouve aucun moteur près du trou de sortie, ni aucun trou pouvant avoir été causé par ces réacteurs. Question. Pouvez-vous expliquer ce qui est arrivé aux parties centrales des deux réacteurs, constituées de matériaux pratiquement indestructibles? Enfin, une chose encore plus mystérieuse, le trou de sortie. Officiellement, c'est le fuselage de l'avion qui a percé ce trou dans le deuxième mur du troisième anneau, appelé l'anneau C. Le 15 septembre 2001, le directeur du programme de rénovation du Pentagone a déclaré « L'avion a traversé les anneaux E, D et C. Le nez a endommagé le mur intérieur jusqu'à l'allée AE. » L'allée AE est la cour intérieure qui sépare l'anneau C de l'anneau B. Mais comment le fuselage a-t-il pu se frayer un passage jusqu'à l'anneau C? Un aereo che pesa 120 tonnellate, lanciato 800 km all'ora, impatta una facciata, la trapassa. Nel trapassarla viene tritato dalle colonne che ci sono in mezzo, a mo' di grattugia, se mi passate questo termine, e alla fine quel che rimane sono solo frammenti molto piccoli. Quel poco che rimane in fondo arriva dall'altra parte. Si le fuselage n'est qu'un cylindre et qu'il a été taillé et haché menu par les colonnes, comment a-t-il pu conserver sa forme parfaitement circulaire et aller percer le mur de cette façon? C'est là que les explications des débunkers deviennent absolument fascinantes. La masse du plane pénétrait le bâtiment avec énorme énergie et continued into the building in a state almost more like a liquid than a solid. Then encountered reinforced concrete columns 2 feet thick. So the aircraft was flying through a forest of columns. The plane became almost like an artillery shell or a tank round. What actually came out, it was a circular ball of fire, which is how fire goes when it moves. That's why it has a perfectly round shape. By this time, there was an avalanche of debris that was moving as a single mass, much as in an avalanche of snow. Il se soit transformé en masse liquide, en boule de feu ou en avalanche de neige, toutes ces explications sont purement et simplement contredites par le rapport de 2003 rédigé par l'Association américaine des ingénieurs en génie civil et intitulé Pentagon Building Performance Report. Pour décrire le comportement des colonnes du rez-de-chaussée, le rapport explique que les colonnes 3G, 3H, 3J et 5J étaient endommagées, mais encore en place, bien que sur la trajectoire directe du fuselage. Il est très peu probable qu'à ce stade de la progression, une partie significative du fuselage ait pu conserver l'intégrité de sa structure. Celle-ci a certainement été détruite avant même d'avoir parcouru une distance équivalente à sa longueur. L'avion mesure 47 mètres, soit environ la moitié de la distance entre la façade et le trou de sortie. D'ailleurs, les premiers témoins des dégâts à l'intérieur du Pentagone confirment qu'aucune pièce significative du fuselage n'a atteint l'anneau C. The plane went in to the E, D, and to the C ring. Not all the way through the C ring.
Question. Étant donné que, d'après le Pentagon Building Performance Report, l'appareil a certainement été détruit avant d'avoir parcouru une distance équivalente à sa longueur, et que il est hautement improbable qu'une portion significative du fuselage ait conservé son intégrité structurelle, pouvez-vous, après cela, expliquer ce qui a causé le trou de sortie presque parfaitement circulaire dans le mur extérieur de l'anneau C ? Une brèche au rez-de-chaussée dont la taille correspond à un peu plus de la moitié de l'envergure d'un 757. Le bout de l'aile gauche et la majeure partie de l'aile droite qui ont disparu sans explication valable. Les stabilisateurs horizontaux et l'empennage vertical qui ont eux aussi disparu sans explication. Un fuselage qui s'est comporté davantage comme une tête de missile que comme un cylindre vide en aluminium. Aucune trace du cœur des deux réacteurs et un trou de sortie dans l'anneau C que rien ne peut rationnellement expliquer. Au vu de tous ces éléments, la conclusion qui s'impose est que les dégâts observés au Pentagone ne sont pas compatibles avec ceux d'un Boeing 757 et doivent avoir été causés par autre chose. Le mystère de ce qui a percuté le Pentagone aurait pu être facilement levé si le FBI avait publié les vidéos des dizaines de caméras de surveillance placées autour de la zone d'impact. Yeah, there were a lot of cameras around the Pentagon. If you look at the Pentagon, you can see that there's cameras on each corner. There's cameras at some of the businesses around the Pentagon. And we know in those cases, the tapes were confiscated immediately by the FBI within hours of the event. Suite à une requête demandant la publication de ces vidéos formulée au titre de la loi FOIA, l'agent du FBI responsable des enregistrements a répondu. Le FBI dispose de 85 vidéos pouvant correspondre à la demande d'informations FOIA. Mais l'agent a conclu « J'ai pu déterminer qu'une seule vidéo montre l'impact du vol 77 contre le Pentagone le 11 septembre 2001. C'est la vidéo que nous avons tous vue à maintes reprises. » Le FBI aurait aussi bien pu diffuser toutes les vidéos pour que le public se rende compte par lui-même. Mais pour des raisons inexpliquées, il a préféré les garder pour lui. I've filmed before down at the Pentagon, before 9/11. There's got to be at least 100 video cameras ringing that building, in the trees, everywhere. They've got that plane coming with 100 angles. I want to see the video. I want to see 100 videos that exist of this. Why don't they want us to see that plane coming into the building? Non seulement cette question est restée sans réponse, mais une analyse approfondie du seul enregistrement disponible nous réserve une surprise étonnante. Au départ, le département de la Défense a publié ces 5 images extraites de l'enregistrement d'une caméra de surveillance d'un parking. Puis en 2006, le DOD a publié la séquence entière d'où provenaient les 5 images publiées précédemment. La vidéo est constituée d'images espacées d'environ 1 seconde. Elle commence juste avant l'impact et se poursuit avec l'énorme explosion et les flammes et la fumée qui s'ensuivent. Malheureusement, la vidéo ne montre pas l'approche de l'avion. La seule chose visible juste avant l'explosion ressemble à la queue d'un avion suivie d'une traînée blanche. Mais le fuselage est caché par le poteau au premier plan. Le DOD a également publié une deuxième vidéo, prise par une caméra à un autre endroit du parking. En fait, cette caméra était installée dans le poteau qui masque la vue dans la première vidéo. Cette vue aérienne montre l'emplacement des deux caméras. La seconde caméra filme dans la même direction et elle offre le même champ de vision mais avec une vue dégagée. En se calant sur l'explosion, il est possible de synchroniser les deux caméras à l'image près. Si l'on synchronise les deux ensembles d'images, on remarque que la seconde vidéo débute plus tôt que la première et que la première dure plus longtemps. Cela nous laisse donc un tronc commun de 100 images, parfaitement synchrones. À partir du moment où la voiture de police repart, l'action se déroule de façon absolument identique, à la fois avant et après l'explosion. En particulier, pendant la deuxième partie des vidéos, on peut vérifier, grâce à la forme des nuages de fumée, qu'après l'explosion, chaque couple d'images représente bien la même situation. Cela confirme que les deux caméras étaient parfaitement synchronisées. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en droit d'attendre puisque les deux caméras étaient contrôlées par un système d'enregistrement central appelé multiplexeur ou TLR. Il y a cependant une image dans chaque vidéo où la scène diffère complètement et il se trouve qu'il s'agit précisément de l'image où l'avion passe juste au-dessus de la pelouse. C'est l'image 23 dans le décompte commun à chaque vidéo.
Alors que la première vidéo montre la queue et la traînée blanche, nous pourrions espérer que la seconde caméra placée dans le poteau de béton montre le fuselage entier de l'avion dans la même position. Mais ce n'est pas le cas. Dans l'image correspondante, la caméra 2 ne montre que la pointe de l'avion qui rentre à peine dans le champ par le coin en bas à droite. Mais alors, comment le nez de l'avion peut-il se retrouver derrière la queue au même instant? Le système de synchronisation ne tolère qu'un 1/30 de seconde de décalage ou marge d'erreur entre les deux caméras. Étant donné que l'avion parcourt 230 mètres à la seconde, ce décalage maximal entre les deux caméras porte sur 7,50 mètres tout au plus. Or, la longueur d'un Boeing 757 est de 47 mètres. Même en tenant compte de l'effet de perspective dû à la trajectoire en diagonale, c'est très insuffisant pour expliquer l'écart énorme entre les deux images. D'autant qu'après cette image, les vidéos retrouvent une synchronisation parfaite jusqu'à la fin de la séquence. Pourquoi ces images vitales, et seulement celles-ci, diffèrent-elles autant d'une caméra à l'autre? Cette question a laissé perplexes les chercheurs et les experts en informatique. Le même chercheur qui avait réalisé le fameux photomontage de la façade du Pentagone a également conduit une analyse technique approfondie des deux enregistrements publiés par le DOD. Après avoir confirmé que les deux caméras étaient bien synchronisées par le même système de multiplexage, cet expert a compilé une table de comparaison des contenus image par image. Comme vous pouvez le constater, l'image 23 est la seule à présenter les différences flagrantes d'une caméra à l'autre. L'expert a analysé chacune des deux images avec des outils informatiques sophistiqués et a obtenu des résultats plutôt surprenants. Par une série de soustractions booléennes des deux images, il a découvert qu'une petite partie des images était identique. Ce qui est identifié comme le nez de l'avion pris par la caméra 2 est aussi présent dans la traînée blanche prise par la caméra 1. En fait, c'est comme si quelqu'un avait retouché cette partie de l'image par un copier-coller afin de recouvrir l'avion et avait gardé la traînée de fumée pour la faire ressembler au nez de l'avion qui entre tout juste dans le champ de l'image. Question. Étant donné que le décalage maximum de synchronisation entre les deux caméras se traduit tout au plus par une différence de position de l'avion de 7,5 mètres, pouvez-vous nous expliquer les différences flagrantes constatées entre ces deux images ? Faute d'explication valide de ces différences, nous sommes amenés à conclure qu'il y a eu manipulation intentionnelle par Photoshop d'au moins une de ces deux images. Pour résumer la situation au Pentagone, nous avons donc une absence totale d'indices prouvant que le vol qui a percuté le Pentagone était bien le vol 77, un avion fantôme qui a attiré l'attention dans la direction opposée, l'incapacité de la Maison-Blanche à abattre l'avion qui arrivait même si la menace était sérieuse et imminente, une trajectoire d'approche tout à fait illogique pour les pirates, un pirate parfaitement incapable de suivre cette trajectoire, l'absence de pièces d'avion de dimension significative, des dégâts sur un bâtiment clairement incompatible avec un Boeing 757, un enregistrement de l'impact trafiqué, et enfin, une réticence évidente du FBI à publier toute autre vidéo qui permettrait d'identifier l'avion. Toute la problématique du vol 93 peut se résumer à une seule question. Si vous étiez passé par là et que quelqu'un vous ait dit qu'un Boeing 757 venait juste de s'écraser à cet endroit et que le trou dans le sol avait absorbé les 100 tonnes de l'avion, l'auriez-vous cru ou pas? C'est la situation déconcertante dans laquelle se sont retrouvés les habitants de Shanksville en arrivant sur place. We drove back that road and where the road ended, that's where the plane was. And I mean, you know, the only thing I could tell, you know, I get out, you know, like I said, I heard this thing, you know, I felt the explosion, saw the fireball, and I get up there and I'm thinking, where is it? You know, just debris, pieces, small pieces of debris, and you know, the trees were singed and burning, it was just smoldering. Nothing. It was just little pieces. There was nothing to actually, like a door or a window or anything. You couldn't really. It was just little pieces of shrapnel everywhere. What's that right there? Over in here. Les journalistes télé ont eux aussi été stupéfaits quand on leur a dit qu'un avion venait de s'écraser à cet endroit. You know, at first I wasn't even sure that this was that these were pieces of the plane. They're so small, and it's indistinguishable. You can't tell whether it's a piece of the fuselage or a piece of the seats. You don't know what it is.
Chris Kanicki. He's a photographer. He was back there just a couple of minutes ago. And Chris, I've seen the pictures. It looks like there's nothing there except for a hole in the ground. Basically, that's right. From where we could see, there wasn't much left. Any large pieces of debris at all? No, there was nothing that you could distinguish that a plane had crashed there. It's really all you see is a large crater in the ground and just tiny, tiny bits of debris. Alert also went out to Somerset County Coroner Wallace Miller. He hurried to the scene, an abandoned strip mine. When he arrived, he couldn't believe his eyes. It looked like someone had gouged about a 10-foot wide, 10-foot deep trough through the strip mine area. But when you looked in, it was just covered with dirt. There was nothing there that you could really say was an airplane. Denis Roddy était rédacteur en chef de la Gazette de Pittsburgh. Airplane debris? Nothing I could identify. Mais le plus étonné de tous fut peut-être Ernie Stull, le maire de Shanksville. My brother-in-law and a good Ja, mein Schwager und ein guter Freund von mir waren die ersten hier. They were standing in Shanksville on the corner of the street. Sie haben in Shanksville an einer Straßenecke gestanden und sich unterhalten. Ihr Wagen stand gleich in der Nähe und so waren sie die ersten hier. Dann kam erst die Feuerwehr. Alle waren wie vor den Kopf gestoßen, weil sie zu einem Flugzeugabsturz gerufen wurden. Aber da war kein Flugzeug. And there's no airplane. Lived here, how are you lived? No airplane. Kein Flugzeug. Just... Sie wurden hier zu der Unfallstelle geschickt und da war kein Flugzeug? No, nein, da war nichts. Just that hole. Nur dieses Loch. This is it. Das ist es, was Sie sahen. Ich dachte immer, das sei die Absturzstelle. It is. Das ist sie. Aber da ist nichts zu sehen. Le FBI affirme que l'avion a été littéralement enseveli dans ce trou. Une grande partie de l'avion et de son contenu ont été retrouvés sous la terre meuble, peut-on lire sur le site du FBI. Des experts ont retrouvé l'enregistreur des données de vol à 3,50 m sous terre et celui des conversations du cockpit à 7,50 m. Les deux enregistreurs de vol étant placés vers la queue de l'appareil, nous sommes donc en droit de conclure que le cockpit et pratiquement tout le fuselage avec les sièges et les corps des passagers et leurs bagages ont eux aussi été ensevelis profondément. Les seuls que cette explication ne dérange pas sont les débunkers. We have this idea that when planes crash, they crack in half and there's this dramatic burn wreckage. That's what happens when planes crash at very low speeds, usually on approach or takeoff from an airport. This plane was flying straight down. It was approaching the speed of sound. It would have if it had gone much farther. And it penetrated into soft ground with incredible velocity. Ma qui la caduta è stata diversa. L'aereo era quasi verticale quando si è schiantato a una velocità altissima. L'aereo si schiaccia quasi nel terreno, produce un cratere piccolo e questo è quello che rimane, va a finire quasi tutto nel terreno. Tout d'abord, il est faux de dire que l'avion a percuté le sol presque à la verticale. D'après la trajectoire établie par le NTSB, le Boeing 757 a heurté le sol selon un angle de 45 degrés. Ce fait à lui seul ôte le caractère exceptionnel que les débunkers prêtent à ce crash. Mais même si l'avion était vraiment tombé à la verticale, comment le trou aurait-il pu se refermer sur lui-même avant même l'arrivée des premiers secours? Ce n'est pas de la boue, c'est vraiment un sol ferme, comme dans votre jardin. Lorsqu'un avion s'écrase et creuse un cratère, celui-ci reste ouvert et bien visible lorsqu'on le survole. Voici par exemple le cratère causé par le vol Panam 103 qui s'est écrasé en 1988 en Écosse à Lockerbie. Il est vrai que le 747 de Lockerbie est plus grand qu'un 757. Mais c'est vrai aussi que le vol Panam s'est disloqué à la suite d'une explosion en plein vol et que seule une partie de l'avion a creusé ce cratère bien visible sur les photos. Comparons à présent la taille du cratère de Lockerbie, où pouvaient tenir plusieurs maisons, avec celle de Shanksville, large de seulement quelques mètres. Voici la taille d'un être humain à côté du cratère de Lockerbie. Et voici la même comparaison à côté du cratère de Shanksville. Ici, des personnes au bord du cratère de Lockerbie, et là, au bord de celui de Shanksville, juste après l'accident. Comparez la taille d'une voiture avec le cratère de Lockerbie, et la taille d'une camionnette avec celui de Shanksville. Ceci est le plus gros morceau du Boeing 747 de la Panam retrouvé à Lockerbie. Il s'agit de la moitié de l'avant du fuselage, il y a même une partie du cockpit. Et là, le plus gros débris récupéré à Shanksville. Un morceau de fuselage ne comportant que deux hublots, sur une photo publiée 5 ans après. Voici l'un des moteurs du Boeing 747 du vol Panam 103, qui s'est écrasé près de Lockerbie. Et là, d'après les autorités, un moteur de Boeing 757 du vol UA-93, tel qu'il a été récupéré au fond du cratère de Shanksville. Voici des photos de crash d'avion.
La queue est presque toujours intacte, ce qui n'est pas étonnant. C'est la dernière partie de l'avion à entrer en collision avec le terrain, une fois que la plus grande partie de l'énergie cinétique s'est dissipée dans le sol. Ceci est la trace que le vol 93 est censé avoir laissée avec son empennage avant de disparaître entièrement. Et là, les morceaux d'ailes tels qu'on les retrouve normalement sur le site d'un crash aérien. Ces traces sont celles qu'auraient laissées les ailes à Shanksville avant de disparaître corps et biens avec tout le reste. Ceci est le centre du cratère censé avoir avalé presque tout le fuselage. Mais c'est là que l'histoire officielle de ce crash devient absolument fascinante. Après 2 semaines, le FBI a déclaré que 95% de l'avion avait été récupéré. Un Boeing 757 pèse environ 100 tonnes. Une voiture pèse environ 1 tonne et demie. Autrement dit, le FBI affirme que l'équivalent de 60 à 70 voitures a été extrait de ce cratère. Question. Pouvez-vous expliquer comment un avion de 100 tonnes peut avoir fini sa course presque entièrement enterré au fond d'un cratère qui s'est refermé sur lui-même avant l'arrivée des premiers secours? Mais admettons que 95% de l'épave a été récupérée. Où sont tous ces morceaux? Et pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à les voir? Lorsque des accidents controversés surviennent, tous les efforts sont faits pour récupérer le plus de pièces possible. Par exemple, voici l'assemblage des restes du Boeing 747 de Lockerbie reconstitué dans un hangar. Et ici, les débris du Boeing 747 du vol TWA-800 qui s'est abîmé en mer près de Long Island en juillet 96. Et là, les débris du DC-9 du vol Itavia 870 qui s'est écrasé dans des circonstances non élucidées près d'Oustica en 1980. Pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose pour le vol UA-93? Au vu de la controverse sur l'absence de débris et des rumeurs qui disent que le UA-93 aurait été abattu en vol, c'était pourtant la meilleure façon de faire taire les théories du complot. Au lieu de cela, on nous demande de croire que les pièces ont été mises sous scellé par le FBI alors que personne n'a été autorisé à les voir. En l'état actuel de nos connaissances, le vol 93 pourrait tout aussi bien ne jamais s'être écrasé près de Shanksville. Les défenseurs de la version officielle doivent aussi faire face à un autre fait inhabituel. Normalement, lorsqu'un avion s'écrase, il dégage un épais nuage de fumée noire et continue de brûler jusqu'à ce que tout le fuel soit consumé. Mais à la place de ce nuage noir, voici ce que les habitants de Shanksville ont pu voir. Cela ressemblait à un champignon, a-t-il déclaré. Mais sous le nuage, aucune épaisse fumée noire ne s'est élevée dans le ciel. Et le nuage en forme de champignon est le signe caractéristique de l'explosion d'une bombe. Le journaliste déjà rencontré précédemment a lui aussi remarqué l'absence d'odeur de fuel brûlé, remplacée par une odeur de terre brûlée. Of the scorched earth. The only way I can describe it. It doesn't smell like jet fuel. It smells like, Kendall, how do you describe it? It's burned earth. Burned earth. It smells like burned earth. L'herbe à côté du cratère montre aussi qu'il n'y a pas eu d'incendie après l'explosion. Le sol est sec et ne présente aucune marque. Certains ont suggéré que ce n'était que la première explosion et que l'épais nuage noir allait suivre. Mais c'est faux, comme le prouve cette vidéo amateur filmée juste après l'explosion. Comme vous pouvez le voir, le premier nuage flotte dans les airs, mais aucune trace de la typique épaisse fumée noire. Si l'on avance dans le temps, la vidéo montre une situation relativement identique. Une minute plus tard, le nuage est encore là, mais toujours pas d'épaisse fumée noire. Question. Puisque l'avion transportait 30 à 40 000 litres de fuel au moment du crash, pouvez-vous expliquer pourquoi on ne voit aucun épais nuage de fumée noire s'élever dans le ciel après l'explosion? Mais la question la plus problématique pour les défenseurs de la version officielle concerne les débris. En effet, comment expliquer leur dissémination sur des kilomètres carrés, loin du cratère où l'avion est supposé s'être enfoncé en bloc? William Bunch était journaliste à la Gazette de Pittsburgh. J'ai rassemblé toutes les informations que je pouvais et j'ai rapidement appris qu'il y avait beaucoup de things about the crash of Flight 93 that didn't really add up right away. The fact that debris fell on this lake a couple miles away at the same time that the plane was crashing. Le lac dont parle Monsieur Bunch s'appelle Indian Lake et est situé à plusieurs kilomètres du lieu du crash. D'après les débunkers, il y a une explication à tout cela. Perché quello che le dice di pezzi trovati chissà dove sono arrivati a Indian Lake, che è a 1600 metri di distanza. Sono stati trovati pezzettini di carta che sono volati perché c'è vento. Tout d'abord, il n'est pas vrai qu'il y avait du vent ce jour-là. Comme le montrent les images, ce n'était qu'une petite brise. Et comme nous l'avons vu, le nuage de l'explosion est resté pratiquement au même endroit pendant plus d'une minute.
Ensuite, les objets retrouvés ne sont pas des feuilles de papier. Dans le journal La Tribune de Pittsburgh, on pouvait lire que, dès le lendemain matin mercredi, des débris sont venus s'échouer sur les rives du lac à la marina. Monsieur Fliegel dit même avoir reconnu un morceau d'os d'une côte parmi des morceaux de siège, des pièces en plastique fondu et des chèques. En tout cas, le problème ne se limite pas à Indian Lake, qui est à 3 km du cratère. On a retrouvé des débris jusqu'à 13 km du lieu du crash, près de New Baltimore. Voici la carte de la zone des débris publiée par la Tribune de Pittsburgh. CNN a aussi mentionné cette zone secondaire où des débris appartenant bien à l'UA-93 ont été retrouvés. Well, Darren, in the last hour or so, the FBI and the state police here have confirmed that they have cordoned off a second area about 6 to 8 miles away from the crater here where this plane went down. This is apparently another debris site, which raises a number of questions. Why would debris from the plane, and they identified it specifically as being from this plane, why would debris be located 6 miles away? Could it have blown that far away? Seems highly unlikely. And as to whether it broke up on the way, we don't know that. FBI is being very tight-lipped about that. But again, it leads to that possibility. It certainly leads to a number of questions. Question. Puisque l'avion est supposé avoir heurté le sol d'un seul bloc, pouvez-vous expliquer comment des débris ont pu être retrouvés jusqu'à 13 km du cratère alors qu'il n'y avait qu'une légère brise ce jour-là? L'étendue du champ de débris n'est pas le seul élément indiquant que l'avion a été abattu. D'autres indices confirment cette hypothèse. Standing there watching on TV and the lights flickered in the building. About that time we heard the engines roar and we took off out of the building as we were coming out from the office out through the building. The ground shook and we heard big boom. Looked over and saw the big ball fire. Fliegel a déclaré à d'autres personnes que la lumière avait vacillé. I was in Atlanta and I was sitting there talking to another guy and I was explaining to him about whenever we were standing in the office and the lights flickered and everything. And as soon as he heard me say that, he immediately stopped me and he said, "Well, I'm retired from the Air Force." He said that plane was shot down. And I said, "Why?" And he said, "Because whenever the lights flickered, they zapped the radar frequency on everything before they shoot." Le maire d'Indian Lake se souvient lui aussi d'une coupure de courant juste avant le crash. Our power had gone off, and then we felt a tremor. It sounded like a missile came across our house. I mean, they were going that fast. Le maire de Shanksville, Ernie Stull, a fait une déclaration intéressante. Je connais deux personnes, je ne dirai pas leur nom, qui ont entendu un missile, a-t-il dit. Ces deux personnes vivent près du lieu du crash. L'un d'eux a fait le Vietnam et dit qu'il connaît le son d'un missile. Et ce jour-là, il en a entendu un. Mais qui pourrait avoir abattu cet avion ? À ce jour, aucun témoin n'a vu des avions de chasse dans la zone du vol 93 au moment du crash. Pourtant, certains témoins ont vu un petit avion blanc non identifié passer au-dessus de la zone de crash juste avant la catastrophe. I was just driving along here, it was a beautiful day, had my window open. Had this stereo on, and when I got up here almost to the stop sign, this small white plane, at the time, that's what I thought it was, went over top of me. It was so smooth, and it just glided right over me, just like that. And then I ducked, and when I looked up again, then it just banked to the right and went over and went down behind those trees. Something caught my eye, and here was a white plane. And it was coming from the crash site area. Les débunkers persistent à dire que cet avion blanc n'était qu'un avion d'affaires envoyé sur place par les contrôleurs aériens pour qu'ils jettent un œil sur la zone où le vol UA-93 avait disparu de leur radar. There was in fact a little white jet that was seen in the area after Flight 93 crashed. A number of witnesses saw it. It was a little Dassault Falcon corporate jet that was flying to a nearby airport. And what happened is once air traffic control knew they'd lost Flight 93, they asked the nearest aircraft to go over the area and actually radio back exact coordinates for the crash site. No. Mais Suzanne McIlvain se souvient avoir vu cet avion avant et non après le crash. About 11:30 that night, the FBI came, wanted to talk to me. They kept asking me how big the plane was. I said the plane, you know, it was small, wasn't much bigger than my van that I saw, and that it went over top of me. And I said, "You want to make sure maybe it was ours and not somebody else's." And then that's when he did seem to get a little nicer. Told me that it was a white Learjet. Someone was taking pictures. I said, "Before the crash?" And he says, "Well, we got to go." John Fliegel a lui aussi vu cet avion. Il est arrivé sur place à peine une minute après le crash. L'avion d'affaires envoyé par les contrôleurs aériens n'avait donc pas eu le temps matériel de venir survoler la zone, puisque le mystérieux avion s'éloignait déjà et disparaissait dans le ciel bleu. We got there, like I said,
probably within 45 seconds or a minute of impact, we were there. We were there before any firemen, any paramedics, or anybody. We were on site. When we got there, there was a plane flying up above. And he was smart. He flew straight for the sun. So you couldn't look at it and see exactly what type of plane or if it was a fighter or what it was. But, you know, we caught a glimpse of it. And as he was swinging, he was basically traveling in the same direction as the plane. Si l'avion a été abattu, se pose alors une question de taille. Que penser du geste héroïque des passagers qui ont, du moins officiellement, forcé l'avion à s'écraser pour sauver les vies de leurs concitoyens? En vérité, ce geste héroïque des passagers a été réfuté par la commission du 11 septembre elle-même. Ce sont les pirates et non les passagers qui auraient délibérément choisi de faire s'écraser l'appareil à Shanksville. Jamais les passagers ne sont parvenus à pénétrer dans le cockpit. Dans le rapport final, nous pouvons lire « À 9h57, les passagers donnèrent l'assaut. Mais d'après la commission, les passagers furent incapables de pénétrer dans le cockpit pendant plus de 5 minutes. » Au bout d'un moment, alors que l'assaut continuait, Jara a demandé « Alors ça y est, on en finit ?» Un pirate a répondu « Non, pas encore. Quand ils entreront, on en finira. » Il faut préciser que ce dialogue est censé provenir de l'enregistreur de conversation du vol 93. Mais le véritable enregistrement, comme nous l'avons déjà mentionné, n'a jamais été rendu public. À 10h02, un pirate aurait crié « Mets-le en piqué, mets-le en piqué !» Les pirates sont restés aux commandes, mais ils ont dû comprendre que les passagers étaient sur le point de les maîtriser. L'appareil a piqué du nez, le manche a poussé violemment à droite, l'avion est passé sur le dos et l'un des pirates a crié « Allah est grand, Allah est grand !» Dans le tumulte de l'assaut des passagers, l'appareil a plongé et est allé s'écraser à plus de 900 km/h dans un champ de Shanksville, en Pennsylvanie, à environ 20 minutes de vol de Washington, D.C. La commission a conclu que l'objectif de Jara était de faire s'écraser l'avion sur l'un des symboles de la République américaine, le Capitole ou la Maison Blanche. Question. Puisqu'il ne se trouvait qu'à 20 minutes de Washington et que pendant presque 6 minutes les passagers n'ont pas réussi à entrer dans le cockpit, pourquoi les pirates n'ont-ils pas poursuivi leur route vers le Capitole? Et même s'ils ont pressenti qu'ils n'arriveraient pas à Washington, pourquoi n'ont-ils pas essayé de frapper une petite ville des alentours? Pourquoi avoir fait s'écraser l'avion dans un champ désert alors qu'ils savaient qu'en faisant ainsi, ils ne feraient pas d'autres victimes qu'eux-mêmes et les passagers? La version des faits sans doute la moins farfelue nous est proposée par Vernon Groves, un écrivain et ancien enquêteur du NTSB. The role the government plays in times of stress, how they view the public. Can the public stand the truth? Or shouldn't we? We need a legend at this point. We need a really neat story of reacting against such a dastardly act as was happening. So it's really nice and convenient to think of the Beamer story. Let's roll, and that becomes just like the Alamo, and it's just one of those legends. And I think there'll be a lot of pressure to let the legend stay where it is. En résumé, pour le vol 93, nous avons l'absence totale de preuves de l'embarquement des terroristes à bord, ainsi que de leur présence dans le cockpit. Un soi-disant pirate parfaitement incapable de piloter ce Boeing 757 de la façon observée. Un faux détournement qui a détourné l'attention du vrai. L'absence totale de preuves que le vol 93 s'est réellement écrasé dans un champ près de Shanksville. Un vaste champ de débris qui contredit la version officielle du crash et suggère plutôt que l'avion a explosé en vol. Un petit avion d'affaires blanc qui s'éloigne du lieu du crash juste après celui-ci, sans oublier les passagers qui ont appelé depuis leur portable et qui ne pouvaient pas être dans l'avion au moment de ces appels. Tout cela nous oblige à envisager l'hypothèse d'une révolte fictive, une mise en scène destinée à créer un mythe, une légende.